J'articule autant que possible, n'hésitez pas à vous avancer, à moins que vous n'ayez pas envie de gagner et de faire le trajet. Oui, moi aussi, je peux le faire. Hein. Donc, je commence. Bah oui, commence, je t'en prie. Donc, j'ai un magnifique prix de groupe qui est là pour récompenser tous les groupes. Oui. Un prix de groupe. Alors, il va falloir préciser très rapidement parce que... Alors, c'était... Bon. Vas-y, je t'en prie. C'était du Dofus. Mais alors, quel Dofus? C'était le plus gros groupe des deux. C'était celui plein de gens. Avec des vrais morceaux dans un kama dedans. Le groupe de Dofus, avec les 9 participants, est-ce qu'ils sont là? Voilà, vous avez bien fait de vous rapprocher quand même. Maintenant, vous êtes on au milieu, vous êtes coincés. Ils gagnent le prix groupe, prix costume groupe. Le prix de costume groupe, passez sur le côté, venez monter sur scène, on va vous remettre vos prix. Et plus vite que ça. Alors, est-ce que nous avons nos jurés de prêt pour remettre les prix? Allez les jurés, on se bouge aussi. Faites-les monter sur scène. Hein. C'est l'accessoiriste qui porte les prix? Ils sont... Venez sur scène. Allô? Allô? Venez sur scène. Dofus en scène, s'il vous plaît. Enfin, ce qu'il en reste. 1, 2, 3. Et il y en a vous êtes entretués? Quoi? Ça, c'est les prix groupe, ça? Bon, finalement, c'est l'accessoiriste qui doit remettre le prix parce que c'est un peu abondant. Non, c'est pas que groupe. Bon, là, on a quoi dedans? Un sac? Une peluche? Oh là là! On peut pas plaisanter. Je peux avoir la princesse? Oui, 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 les lots sont à partager entre les lots du groupe. Donc ce qu'on a ici, ce sont les lots pour ce groupe-là. On n'a pas la prise au point. Alors, pour le lot de groupe. Merci pour la caméra. Je crois qu'on a un peu une abondance de lots, donc c'est difficile de s'y retrouver. Laissez-vous, s'il vous plaît. Laissez-vous, c'est dans la caméra. Approchez-vous, quelques photos, peut-être. Des grands vainqueurs. Oh, un quatrième. Ça se multiplie. Ça donc, visiblement, comme il y a pas mal de choses et pas mal de cartons, on va pas vous monter les lots pour vous les redescendre. On va vous les laisser en coulisses, entre guillemets. 6, 7, non. En tout cas. 5, 6. Ah si, si, on a des morceaux qui arrivent au fur et à mesure. Des morceaux, t'es gentil. Mais oui, des morceaux. Avancez sur scène hein, et merci d'être récompensé par vos applaudissements. Avancez un peu plus sur devant de la scène. Donc, notre groupe Dofus a gagné notre prix de groupe. Merci pour eux. Nous allons vite enchaîner donc sur le prix hors catégorie, c'est-à-dire le prix des costumes originaux. Qui étaient des créations, du grand art nature, des illustrations. En troisième place, nous avons la jeune Misato qui a fait une illustration de Nao Goto. Elle est là-bas. Elle est là-bas. On la reconnaît bien avec ses cornes bleues. Donc, monte vite sur scène. Je vais annoncer le deuxième. Deuxième place pour la catégorie originale, nous avons Mother Earth. Est-ce qu'elle est encore ici? Elle est ici. Et enfin, à la première place. À la première place, nous avons... Est-ce que c'était vraiment ça son intitulé sur le concours? Parce que moi, j'ai Captain Hookette. Captain Hookette.
Il me semblait que c'était un Lady Captain Hook plutôt. Mais j'ai une Captain Crochet. C'est la fille cachée du Capitaine Crochet. Est-ce que nous avons les prix à leur remettre sur scène? Voilà nos trois prix créations. Voilà, les lots arrivent. Alors, ils sont dans l'ordre, 3, 2, 1. Travail, esclave. Et un sac de plus. Et un sac de plus. Merci de les applaudir. C'était la catégorie création originale. Alors, il y a eu, à côté de ces prix-là, un coup de cœur qui a été vraiment fort de la part du jury et qui fait l'objet d'un prix particulier. Le prix coup de cœur. Le prix coup de cœur. Comme ça, c'est simple à comprendre. Et ce prix-là a été spécialement décerné par le jury au Rider Lieutenant des Nuages et à sa cavalière du vent. Maxine, c'est toi. Est-ce que... Oh si, elles sont ici. Comme le jury s'est puissamment battu à propos de ce duo, ça a fait l'objet d'un prix particulier. Il y a eu du sang, des bleus, c'était affreux. Alors c'est presque dommage qu'elle soit venue toute seule parce que les sacs, elle va les porter toute seule aussi. Ah ouais. Non, en scène, en scène. Allez en scène. Elle veut pas. Elle est fatiguée. Tu veux un escalator? C'est obligatoire pour la remise des lots. Tu veux nous dire quelque chose? Merci. Il faut remercier le jury. Tu es le prix coup de cœur du jury de Chibi Japan Expo. Tu fais vachement bien le cœur. Voilà, donc... Oh non, elle porte pas elle-même. Y a-t-il un gentil porteur qui veut l'aider? Ah, y a des gens qui se désignent tout de suite. Voilà, direct. Bravo. Nous allons maintenant passer au prix individuel. Classique, c'est-à-dire costume, puis prestation. Pour les prix costume, à la quatrième place, je demande à Millenia de Grandia 2 de venir sur scène. On enchaîne. À la troisième place, un héros avec des oreilles pointues, Link de Zelda. Ah, c'est vachement moins impressionnant comme ça. Link en civil. En blouson noir. À la deuxième place, il est poilu, Chewbacca. Ah, il est dépoilu. Ah, là aussi, c'est pas pareil. Ah, sauf sous les bras. Et enfin, the first one, le super gagnant du prix costume de Chibi Japan Expo est pas tout seul en fait, parce qu'en fait on a eu un ex-aequo, impossible de se départager, le jury n'a pas pu faire son choix véritablement, donc nous avons deux premiers prix costume pour ce Chibi Japan Expo. J'appelle Terra Brockford de Final Fantasy VI et Telos de Xenosaga. Avec tous ces talons, ça traîne, hein. Eh oui, t'es tout petit. On n'a pas de Telos dans de Xenosaga 3. On l'a perdu. Elle se balade? On la trouvera. On a son adresse, on a son numéro. On va la retrouver. On les applaudit bien fort encore. Nos gagnants de prix costume. Nous allons maintenant passer aux pré-prestations.